Amis de la cuisine légère et diététique ou pas, aujourd'hui on va faire des croissants de façon très rapide et très facile. Alors, sur un plan de travail légèrement fariné, il vous faudra une pâte feuilletée. Vous allez prendre du beurre et le faire fondre dans une petite casserole. Voilà pour le beurre. Vous en avez profité pour mettre votre four à préchauffer à 200 degrés. Alors on va badigeonner le beurre sur la pâte feuilletée. C'est parti. Non, n'hésite pas. Bon, c'est un pinceau spécial pâtisserie, évidemment. On va pas en faire les plaintes avec ça. Voilà. Dans le beurre, vous rajoutez l'équivalent d'une cuillerée à soupe de lait. Voilà. Vous le travaillez au fouet. Ou à la cuillère, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va faire 8 triangles. Le principe. Voilà. Voilà, vous avez vos 8 triangles. Les triangles, on va les rouler depuis la base jusqu'à la pointe.
J'ai fait l'encoche pour faciliter le travail vers l'extérieur. Voilà, jusqu'à la pointe. Vous tournez. Eh ben oui, c'est un croissant. Hein. Voilà. Pointe, tournez. On prépare le plan de travail final. Avec la préparation burlée, vous y allez franco. Voilà, elle a déjà bien. Déjà bien prise ma prépa. Hein. Voilà. 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 On avait trop fait, mais c'est pas bien grave. On finit de badigeonner et ça va partir au four pour une douzaine de minutes. Ça part au four. Voilà, pendant ce temps-là, on va refaire avec une pâte le même processus mais avec une variante plus gourmande. Voilà ce que ça donne. Là, c'est ceux à la confiture. Et voilà les amis, c'est prêt, c'est croustillant, avec ou sans confiture, toujours avec du beurre. Le plus dur, ça va être de pas manger ça trop rapidement. Mais bon, comme je dis toujours à la fin de mes vidéos, ce n'est que du plaisir. Carpe diem. See you soon.